Vous rêvez de côtoyer l'espace et de vivre une aventure tout en restant les deux pieds sur Terre? Eh bien, il y a le Musée canadien des enfants qui vous propose l'exposition « Vivre dans l'espace ». Attention au départ, Mathieu Marquis. 3, 2, 1. Bon voyage! Vivre dans l'espace, la nouvelle exposition du Musée canadien des enfants propulse les jeunes visiteurs dans une formidable aventure extraterrestre. L'attraction combine à la fois technologie et voyage dans l'espace. Ce centre d'interprétation est une excellente façon de démystifier la vie à bord d'une station spatiale et parfaire ses connaissances sur l'espace. C'est de faire découvrir à quel point il est maintenant possible de vivre, de travailler et de se divertir dans l'espace. C'est absolument phénoménal de pouvoir passer plusieurs mois à 300 km de la Terre ou à peu près. Assembler une station spatiale, manœuvrer un bras robotique semblable au célèbre Canadarm et simuler la préparation et la consommation d'un repas sont des activités auxquelles les jeunes ont pris part. Quand tu appuies sur un bouton, t'es comme plus léger. Je crois que les enfants ne savent pas à quel point il est difficile de vivre au-dessus de nos têtes. L'exposition invite tant les enfants que les parents à devenir membres de l'équipage et tester vos habiletés sur plus d'une dizaine de bornes interactives. Avec des photos, avec des vidéos, les enfants découvrent à quel point, comment on peut vivre, faire nos activités quotidiennes, comme on ferait sur Terre, mais avec quelques petites différences. Que ce soit à l'entraînement sur des simulateurs ou à bord de la réplique de la Station spatiale internationale, nul doute que vous serez ravis par l'exposition. Votre sortie dans l'espace débute ici, et ce, jusqu'au 27 avril. Mathieu Marquis, SDI, pour l'ST collégial, à Gatineau.